On commence par les caméras. Les caméras, bon, c'est les le plus caméras. Simple. Les petites caméras intelligentes qui sont, alors, comme celles que je vous ai apportées, il y a plein de modèles qui existent, des modèles assez discrets qu'on va placer dans son salon, qui sont reliés à une application sur son téléphone et qui vont détecter tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et vous, via une application, vous êtes à l'autre bout de la France, bah, vous pouvez regarder ce qui se passe de manière très précise. Vous allez avoir une alerte si vous avez un intrus qui entre à la maison. D'accord. Effectivement, vous avez des caméras, alors qu'on peut appeler des robots, en fait ce sont des caméras montées sur chenilles que vous allez pouvoir piloter à distance pour lui faire une petite patrouille à l'intérieur de la maison pour voir si tout se passe bien, ou alors elle-même va pouvoir patrouiller à l'intérieur de la maison un peu comme un robot aspirateur et vous envoyer des alertes s'il y a un problème. En gros, vous avez des petits capteurs électroniques qui sont cachés dans les lampes de jardin et qui vont se détecter si vous avez un rôdeur qui entre, voilà, c'est ce qu'on voit pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, qui entre dans votre jardin. Et à ce moment-là, vous avez un gros drone qui va sortir de sa niche, j'allais dire, qui est cachée dans le jardin et qui va filmer tout ce qui se passe et qui va vous envoyer les images et envoyer les images éventuellement à la police. C'est assez malin, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ces ampoules soit les déclencher vous-même depuis votre téléphone via une application pour faire croire que vous êtes là quand vous ne l'êtes pas, ou alors vous avez même des modèles très intelligents qui vont apprendre vos schémas de vie. C'est-à-dire qu'elles savent que quand vous êtes là, eh bien, vous allez vous coucher vers 23h, donc la lumière du salon s'éteint et la lumière de la chambre s'allume. Et quand vous n'êtes pas là, eh bien, ces ampoules, elles vont reproduire ces schémas-là comme si vous étiez à la maison. Et ça déclenche de la musique aussi. Ça peut éventuellement déclencher de la musique. C'est une bonne idée. Ça. Mais bien sûr. Tout le monde pense qu'il y a quelqu'un.